Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va parler du jeu Vampire Hunters, donc un Kickstarter que les Bakers sont en train de recevoir. Donc c'est un jeu qui a pour thème donc les vampires, qui est très inspiré donc des séries B du style vampire de John Carpenter, Ghost of Mars, Blade, ce genre de choses, mais moi ça me fait vraiment très très fortement penser à quand même à Vampire de John Carpenter, hein. C'est quand même l'inspiration principale je pense du jeu. Donc voilà, donc vraiment une impression vraiment d'être immergé dans une série B des années 80-90. Voilà, tous les éléments sont là. Donc un jeu assez, assez violent, basé sur l'action, très rapide, pas de fioritures, avec un système de campagne et donc des scénarios qu'on peut enchaîner. Dans le jeu, dans la boîte de base, vous aurez 12 scénarios qui vont être décomposés en deux campagnes. Donc la campagne numéro 1, campagne numéro 2. Voilà, donc avec des chasses, hein, des hunts qu'on enchaîne, avec éventuellement des bifurcations suivant les choix qu'on peut faire, suivant les réussites ou les échecs dans les finalisations de chasse. Voilà, donc pour le contexte du jeu, bien nos personnages, nos quatre personnages de la boîte de base font partie d'un ordre, l'ordre des chasseurs de vampires, donc qui combat au travers des siècles les différentes formes de vampires qui peuvent apparaître. Et donc au fur et à mesure de la campagne, ils vont accumuler en récompense des reliques donc qui leur permettra, donc voilà, on piochera des cartes reliques qui sont de différents types. Il y a des armes, des shafts, ce qu'on appelle, et des reliques bénites. Donc en gros, il faudra réussir à combiner, si vous voulez, ce genre de cartes, donc une carte de combat, pardon, avec des dés d'attaque, une carte qui donne une portée, donc short shaft, ici, et une carte avec un pouvoir béni, donc vous voyez, un pouvoir particulier, si vous voulez. Donc là, pour 6 points de focus, si ça t'attaque, crée des blessures, donc on gagne une attaque gratuite. Voilà, donc en fait, une relique, ça constituait de 3 cartes. Donc à la fin de chaque chasse, on pourra gagner une carte, et il y a une manière de piocher les cartes, si vous voulez, qui permet d'assembler au fur et à mesure de la campagne cette carte relique. Ces cartes reliques nous permettront, en général, un scénario final, de vaincre un boss qu'on appelle les Vampire Lords. Dans la boîte de base, c'est Lord Kophaz. Lord Kophaz, donc, qui a des points de vie assez élevés sur sa face verso, avec des pouvoirs et un nom particulier. On piochera une carte Elder pour l'attaquer, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, cette forme de vampire peut être attaquée avec n'importe quel type d'arme. Par contre, quand on arrivera à 0 points de vie, on retournera la carte. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu moins de points de vie, il a moins de pouvoir. Par contre, on ne pourra le blesser qu'avec la relique qu'on aura constituée, qu'on aura fabriquée au fur et à mesure de la campagne. Donc il n'y a qu'un seul objet relique, et donc il faudra arriver à se partager entre les héros cette relique pour attaquer donc le Vampire Lords. Voilà. Donc en mode campagne, nos héros vont pouvoir gagner de l'expérience, qui est représenté par donc des pions de focus, comme ça, qui sont gagnés la plupart du temps en tuant des vampires. Et donc, ils pourront s'acheter, entre les chasses, des cartes de Special Ability, donc qui ont un coût d'achat et d'utilisation pendant la partie.
Donc toutes les habilités sont différentes, hein. Il n'y a pas une carte identique, donc avec des choses très diversifiées. Donc voilà, donc évidemment à utiliser avec bonne intelligence, puisque vous voyez que il y a un coup de focus à l'utilisation. Donc dans le jeu, les points de focus sont faciles à, enfin faciles, plus ou moins faciles à gagner par contre. Sont difficiles à gagner, je vais y arriver, mais faciles à dépenser. Donc on pourra également, entre les chasses, acheter de l'équipement, donc qui sont d'une manière générale des armes beaucoup plus puissantes que celles de base, mais aussi des adrenaline shots par exemple, qui donnent des actions, enfin des choses diversifiées. Voilà. Par contre, en général, les cartes équipement sont d'une seule utilisation, donc ce qui est représenté par cette icône. Après utilisation, on défaussera la carte. Donc comment se déroule une partie de Vampire Hunter? C'est bien, on va enchaîner des rounds. Donc des rounds pendant lesquelles on va activer les héros puis les vampires. Donc on va activer les héros dans n'importe quel ordre, l'ordre que l'on souhaite. Et donc le jour, ils s'activeront. On prendra un héros et il s'activera avant les vampires. C'est-à-dire qu'on fera faire donc trois actions, jusqu'à trois actions à un héros. Ensuite, on tirera une carte d'activation des vampires sur ces cartes. On activera donc le vampire et ensuite on passera au héros suivant. Donc on l'active, on pioche une carte d'activation de vampire. Et donc voilà, alors je rentre pas dans le détail des vampires, des turns vampires, hein, qui sont donc les héros qui sont devenus vampires, on verra ça plus tard. Différence de nuit, on piochera d'abord une carte d'activation de nuit, ce sont ces cartes ici. Voilà. Je le viserai bleu. Et ensuite on activera le héros. Voilà, donc on fait, on active chacun des héros de cette manière, et ensuite à la fin du round, on avancera le pion donc sur l'échelle de temps. Voilà, donc et au fur et à mesure de l'avancée, évidemment, le pion de temps va traverser ce qu'on appelle la phase d'awakening. Donc phase d'awakening pendant laquelle on va ouvrir toutes les portes qui étaient restées fermées. On va révéler toutes les pions rencontres qui sont placées dans les pièces. On peuplera ces pièces grâce aux cartes rencontres. Voilà, avec les différents pions de spawn, les différents numéros de zones de spawn, je veux dire, et on peuplera donc les pièces et également les vampires ont deux faces. Les cartes d'activation des vampires ont deux faces. Ils ont une face jour, donc dans laquelle qui est représentée par le bord là comme ça jaune, et de nuit, donc on retournera la carte, donc le tour de la carte bleue, et en général on aura une activation, enfin un pouvoir particulier qui va s'ajouter donc au vampire. Donc là vous voyez qu'ici dans ce cas, si le scroll lance 2d6, et bien il pourra relancer un dé d'attaque. Les différentes actions que pourront faire donc les héros, c'est activer un extracteur. Alors l'extracteur, j'y reviendrai plus tard, c'est grâce à Pete, on va pouvoir planter un harpon dans le corps d'un vampire, et donc l'extraire du refuge pour l'exposer donc à la lumière du jour, et donc ça tuera instantanément le vampire. Donc je vous avoue que pour le moment j'ai jamais utilisé encore cette possibilité, mais ça peut être vraiment intéressant. Donc activer des manettes pour ouvrir des portes bleues, par exemple les portes bleues sont des portes qui restent fermées même quand lors de la phase d'awakening. Donc on peut attaquer Dig Free, c'est pour se dégager de débris. À un certain moment les héros peuvent être empêtrés dans des débris, et donc il faut se libérer. Drop, donc c'est pour déposer des cartes d'objets ou d'équipements sur sa case pour que éventuellement d'autres héros
Et récupère, pick-up, donc c'est pour ramasser justement un objet. Vous pouvez chercher, vous pouvez échanger, trade des armes. Voilà, et au cours des actions de mouvement, on pourra dépenser 2 points de mouvement. Donc un point de mouvement permet de bouger d'une zone, et un point de mouvement permet également de rentrer dans un tunnel, de sortir d'un tunnel, d'ouvrir une porte. Voilà, et donc il y a des actions gratuites qui sont relocalisées Pit. Donc Pit, c'est celui qui tient l'extracteur, et donc on pourra le déplacer entre des portes situées à l'entrée des refuges, donc les portes jaunes là, vous voyez ici, ou alors des fenêtres qui auront été éventuellement cassées. Voilà, donc quand elles sont cassées, on les retourne comme ça, donc vous voyez que ça fait rentrer la lumière, mais aussi on pourra localiser Pit devant une fenêtre. Voilà. Voilà donc pour les différents tours d'action. Les différentes actions possibles, je veux dire. Donc, chose à noter, les vampires sont spawnés donc lors de la phase de nuit sous la forme endormie. Donc, les vampires apparaîtront couchés de jour. Pour les attaquer, l'intérêt des attaquer endormis, c'est qu'on pourra relancer une fois les dés ratés. Voilà, et ensuite de nuit, par contre. On aura passé la phase Awakening, donc tous les vampires seront réveillés et seront tout de suite actifs dès qu'ils ont été révélés, si vous voulez. Bon, alors quelques éléments de décor. On a des caisses ici qui permettent de se cacher. Donc un héros pourra gratuitement, quand il arrive dans la zone, se positionner sur ces caisses. Donc ça lui permettra d'être protégé. Donc avant d'attaquer le héros, le vampire devra d'abord casser la caisse. Pour casser la caisse, on voit que la caisse, elle a un point de vie et elle a un bouclier de 1. Donc en gros, il faut faire un minimum de 2 dégâts pour détruire la caisse. Ensuite, il y a des captifs qu'on peut retrouver dans certaines pièces du refuge. Donc les captifs, en général, les chasseurs n'ont pas réellement d'interaction avec eux. C'est surtout les chasseurs devenus vampires qui doivent les mordre pour gagner des pions de focus, des points de focus. Voilà, mais il y a quand même des missions de sauvetage, donc c'est d'ailleurs une mission que je vous présenterai en démo tout à l'heure, dans laquelle les chasseurs vont devoir dégager, sortir des captifs d'un refuge. Également d'autres pions. Alors ça, c'est un pion qui est amené par l'extension From Blood to Dust. Donc ce sont des fissures. Donc il y a un mécanisme avec ce genre de pion qui fait que un certain type de vampires pourront traverser ces fissures. Voilà, s'ils entendent du bruit. Ils pourront traverser les murs, si vous voulez. Donc, dans les règles avancées, en fait, on va avoir donc on pourra utiliser, mais c'est pas obligatoire, donc l'extracteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc Pit, qui nous permettra d'harponner des vampires et de les extraire des refuges. Donc voilà, mais ça reste une option, c'est pas obligatoire. On a également les attaques combinées. Les attaques combinées, c'est assez intéressant. Je vais y revenir tout de suite. Et aussi, en option, on pourra jouer donc, les Turn Hunters. Donc, ce sont donc, les chasseurs qui seront, après avoir été mordus, c'est-à-dire qu'ils ont atteint 0 point de vie, ils pourront être transformés en vampires. Et donc, à ce moment-là, ils vont, pour faire vite, ils vont être sujets à un comportement imposé par des cartes de compulsion. Voilà, qui les obligera à faire différentes choses. Mais j'y reviendrai ça plus tard. Par contre, je reviens sur les attaques combinées. Les attaques combinées, donc c'est ces cartes. Donc, dans la boîte de base, il y en a 6. Après, les extensions vont en rajouter. Donc en fait, ça va permettre aux héros donc, de se mettre à plusieurs pour attaquer les vampires. Donc lors d'un tour d'un héros, il pourra faire appel à un héros inactif. Hein. Et donc, par exemple, Take Cover, pour
le héros actif pourra payer un point de focus. Et à ce moment-là, le héros actif, quand il fera une attaque avec une arme qui cause des dégâts collatéraux, qui fera une attaque dans une zone dans laquelle se trouve un héros inactif, et bien celui-ci pourra faire un test d'agilité pour éviter d'être touché par les dégâts collatéraux. Voilà, vous voyez qu'ici, pass, inactive hunter, ignore collateral hits. Par contre, penalty, s'il rate, inactive hunter take double, donc il prend le double de dégâts. Voilà, donc ça encore, alors les attaques combinées, c'est intéressant. C'est pas toujours facile à utiliser dans une première, au début, quand on commence avec le jeu, parce que déjà, il y a pas mal de cartes de différents types d'attaques combinées. Et il faut se rappeler à quel moment on peut les utiliser. Donc takeover encore, ça va. Vous avez quoi? Pile driver, donc ça je ne sais plus très bien ce que c'est. Distract, bon ben voilà, on se doute qu'en fait c'est un chasseur qui va distraire un vampire pendant que l'autre l'attaque. Donc là pareil, c'est un coup de deux. Et puis le héros actif fait une attaque à distance sur un vampire, et pendant que le héros inactif le distrait. Il faut que ce héros inactif soit dans la même zone que le vampire. Donc l'active interpay 2 focus, et à ce moment-là, ça permet ça lui permet de relancer un dé. Enfin, non, pas de relancer un dé, d'ajouter un dé à son attaque. Voilà. Donc la récompense, c'est que les deux chasseurs gagnent le gain de focus pour avoir tué le vampire. Quoi. Voilà, donc Clear Shot, c'est pareil, ça permet d'attaquer un vampire dans une zone où se trouve un chasseur inactif. Voilà, bon, différentes choses. Run, c'est pas mal, c'est intéressant. Un chasseur combat un vampire tant qu'un un chasseur inactif fuit. Donc, le chasseur actif dans la zone. Le chasseur actif est dans la zone avec un vampire et un chasseur inactif. Et le chasseur inactif peut faire un test d'agilité à 3+. Et à ce moment-là, le chasseur actif pourra faire une attaque de mêlée. Mais en plus, le chasseur inactif, voilà, ici la reward, il pourra se déplacer d'une zone, c'est-à-dire qu'il pourra quitter la zone où se trouve le vampire. Voilà. Donc bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, parce qu'il faut... Il faut apprendre à maîtriser un petit peu le jeu avant de pouvoir utiliser ces cartes combinées. Alors juste pour vous dire, depuis que j'ai reçu ce jeu, donc j'ai enchaîné beaucoup de parties. Je crois que j'ai fait en l'espace de 2 semaines plus de parties à Vampire Hunters que j'aurais pu faire à Zombicide depuis. D'ailleurs j'ai vendu tous les jeux de Zombicide, même s'ils sont bien, je veux dire, Zombicide a d'énormes qualités, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage quand même de Vampire Hunters, c'est que les parties sont assez rapides, ça ne traîne pas en longueur. Donc vous allez pouvoir enchaîner des chasses vraiment rapidement. On va pas rester autour de la table pendant des heures. Bon, même si là, vous verrez, je vais prendre le temps de vous expliquer comment ça marche, mais quoi qu'il arrive, une partie de Vampire Hunters, je pense qu'elle ne doit pas dépasser 1h30. Hein. Une heure et demie. Voilà. Donc justement, ce qui fait que les parties vont être écourtées, c'est ce système de jour et nuit. Donc vous voyez, ici on a deux pions. Un pion qui indique le début de la mission et ici la fin de la mission. Donc suivant les scénarios, eh bien les pions ne sont pas placés au même endroit. Et donc vous voyez qu'ici on a la partie jour et la partie nuit. Donc suivant les scénarios, ils vont être plus ombres. La variation de la durée va se faire en démarrant plus tôt dans la journée ou plus tard, près de minuit. Et également, il y aura des parties nuit plus courtes ou des parties nuit plus longues.
Donc, quoi qu'il arrive, vous voyez. Oui, donc suivant les parties, on ne pourra jamais dépasser 12 heures, donc 12 tours, 12 rounds. Sachant qu'en général, voilà, une partie, ça se passe entre 4 et 10, ou bon, voilà, enfin, entre 4 et 9, ou 3, 9, donc voilà, ça c'est du classique. Donc voilà, donc grâce à ça, eh bien, les parties, évidemment, quand le pion d'avancée de round arrivera à la fin, qu'on terminera le dernier tour, eh bien, la partie s'arrêtera et on regardera si on a réussi ou pas. Là, remplir les conditions de victoire. Sachant que de toute manière, quand on, de manière générale, quand on remplit l'objectif, le premier objectif de mission, il peut y en avoir deux, mais quand on remplit le premier objectif de mission, en général, la partie s'arrête, on ne va pas jusqu'au bout. Voilà, donc, et je reviendrai tout à l'heure sur ben, le passage de jour à nuit va se faire un petit peu dans la douleur, vous allez voir. Il se passera des choses, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je vais faire une explique partie sur une mission de, eh bien, pas de la boîte de base, mais de l'extension From Blood to Dust, donc une extension qui fait partie du Kickstarter qu'on a reçu. Je ne sais pas s'il est dans le, si elle est présente dans le premier niveau de pledge, mais en tout cas dès le deuxième. Donc ça sera une mission de sauvetage. Donc voilà, la mission générale se présente sur deux pages. On a la présentation du plateau avec le placement des portes, des différents pions, etc. Et puis on décrit voilà, où vont démarrer les, voilà, ce petit sigle définit la position de départ des héros. En général, il y en a deux et il faut splitter les héros de manière égale entre les deux zones de départ. Donc voilà, on cloque, donc on a le début dans la journée 4 et la fin heure numéro 8, et ensuite on décrit comment on construit les decks de rencontres et d'activation de jour et d'activation de nuit des vampires. Pete and the Extractor, vous allez voir, c'est un personnage qui permet de tirer un vampire en dehors du refuge. On y reviendra tout à l'heure, pour le moment je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, alors bon. Sûrement parce que je m'y prends mal. Mais bon, bref. Et donc on va jouer en mode standalone là, pour cette démo. Donc on ne sera pas dans le cadre d'une campagne. Donc le mode standalone nous dit que chaque chasseur doit piocher une carte d'habilité et deux cartes d'équipement. Donc voilà, et ensuite on a la description du scénario. Donc là, pour vous la faire rapide, dans cette mission, en fait, il va s'agir d'aller bien récupérer des humains captifs dans cette pièce, et il va falloir s'échapper ensuite, les sortir et s'échapper par la porte bleue. Pour ouvrir cette porte bleue, il faudra activer une manette qui se trouve ici. Et donc voilà. Ensuite, il y a des zones de tunnels. On y reviendra tout à l'heure, dans lesquelles on peut se. Des tunnels sous le refuge, dans lesquels on peut accéder par ces échelles ici, qui sont numérotées 1, 3. Il y en a une autre, je ne sais plus où. Voilà. Et donc voilà. Donc ici vous allez voir donc il y a des règles spéciales qui concernent donc les captifs, les conditions de victoire. Donc l'objectif évidemment ça sera de sortir du refuge avec les captifs et on gagnera The Rescue Reward. Et donc cet objectif termine la partie normalement. Donc voilà. Et donc, suivant la partie donc on aura différentes récompenses, mais en général, c'est intéressant, surtout quand on joue en mode campagne, puisqu'entre les missions, on va pouvoir bien s'entraîner, donc acheter des capacités, acheter d'équipements, et donc voilà, mais bon, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, une carte de personnage, comment elle se compose? Eh bien, on a une carte de chasseur.
Donc là, vous voyez que clairement, il y a une référence à James Wood, donc l'acteur qui joue, je crois, c'est Jack Crow dans le film Vampire de Carpenter. Donc lui, il s'appelle Ash. Et donc vous voyez qu'on a des différentes caractéristiques. Donc ça, c'est la foi. Ça, c'est l'intelligence, je crois. L'esprit, plutôt. Et l'agilité. Et ensuite, chaque personnage a une capacité particulière. Donc là, ici, c'est tous les autres chasseurs qui s'activent dans la même zone que lui, que Ash, peuvent immédiatement faire une attaque gratuite. Voilà, et donc ici, c'est points de vie. Par contre, en début de partie, chaque héros démarre avec une armure. Donc on va pas positionner ce pion ici sur les points de vie. Au premier dégât reçu, qu'importe que le nombre de dégâts, hein, on retournera le pion d'armure. À la deuxième salve de dégâts qu'on recevra, on enlèvera carrément l'armure. Et ensuite, les dégâts seront carrément encaissés. Voilà. Ouais, donc je disais ensuite, la mission nous dit qu'on doit piocher une carte d'habilité. Donc on a un deck de spécial ability. Alors, d'ailleurs, pour parler des decks... un petit défaut quand même du jeu, c'est que toutes les cartes ont le même dos, il n'y a que le texte qui change. Vous voyez, par exemple ici, Special Ability, donc on a là, mais l'illustration est la même. Donc ici vous voyez les cartes Elder Influence, donc ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et bien elles ont le même dos. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que pour les repérer rapidement quand on joue, ça aurait été pratique d'avoir des illustrations différentes. Donc une carte Special Ability, donc lui il est Fleet Footing, donc les vampires dans sa zone impede your movement, c'est à dire que pour sortir, donc impede movement, et bien en fait les héros, quand ils doivent sortir d'une zone où il y a des vampires, vont consommer un point de mouvement supplémentaire. Donc lui, en payant ici use, vous voyez ici que en payant 2 points de focus, eh bien on pourra ne pas être impacté par les impact movement. Et donc en mode campagne, quand on achète quand on va acheter cette capacité, eh bien elle coûte 2 points de focus. Voilà, mais ça j'y reviendrai au moment de la campagne. Alors, notre héros, il a également pioché 2 cartes équipement. On voit ici carte équipement, voilà, toujours même illustration mais avec un texte différent. Donc lui il a un medkit, donc pour une action il pourra se soigner de 2 dégâts. Et ensuite cette icône ici en haut à droite, ça veut dire qu'on défausse la carte une fois qu'on a utilisé. Et ensuite Garlic Fog, donc on pourra faire une attaque de 2D à 4+ pour réussir. C'est une attaque d'explosion, donc ça peut toucher plusieurs vampires sur la zone, mais aussi également des héros. Et on applique toutes les touches à tous les vampires dans la zone. Voilà. Donc à la chasse, ça coûte 3. Donc voilà ce qui a été pioché pour lui. Je vais pas tous vous les passer en revue. Si, remarque, bon, je vais faire rapidement. Bon, remarque, je passerai peut-être les héros en revue au moment où je démarrerai la partie. Donc chaque héros démarre également avec des armes de base. Donc lui il a un pistolet, donc il peut tirer que sur sa zone, il lance 2 dés, il touche sur 4+, et il a une arbalète, donc qui peut tirer à 1 à 3, de 1 à 3 zones, 3 dés, 4+, et éventuellement il peut dépenser un point de focus pour tirer avec le pistolet en même temps, donc il lance un dé additionnel. Voilà, ce que j'ai pas dit également, c'est que quand les héros meurent, on peut jouer avec l'option de jeu qui s'appelle Turn Hunter, c'est-à-dire que les chasseurs vont se transformer en vampires. Donc on retournera la carte. Donc vous voyez qu'il a moins de points de vie. Donc il a un autre pouvoir. Donc quand vous attaquerez un chasseur, vous pouvez lui voler un point de focus pour chaque 6 que vous lancez lors de l'attaque. Et également on retourne la carte d'armes, et vous voyez qu'ici il n'a plus d'armes, il va pouvoir mordre, donc il pourra faire une attaque de zone, enfin une attaque au corps à corps à 0 avec 3D 5+. Voilà,
Mais ça reste une option de j'en ai pas obligé de jouer avec l'option Turn Hunter. C'est bien quand on joue à plusieurs en solo, ça peut être jouable. Mais bon, il va y avoir un effort en fait pour se mettre dans la peau des Turn Hunter. Parce que ils vont pas être forcément agressifs par rapport aux chasseurs. Mais ils vont, quand on se transforme en vampire, mais j'y reviendrai plus tard, hein, c'est vraiment pour juste effleurer le principe. Quand ils se transforment en vampire, eh bien le vampire va piocher une carte compulsion qui va lui imposer de faire quelque chose. Par exemple, Distracted, vous devez défausser 3 pions de focus à chaque fois que vous vous activez. Et si on n'arrive pas à le faire, on prend 6 points de blessure. Alors là, vous voyez, c'est du hard parce que là, je pense que lui, il va mourir rapidement. Par exemple, on peut avoir aussi en compulsion, vous quick kill, vous devez causer une blessure avec votre première action chaque fois que vous vous activez. Vous pouvez attaquer des vampires et des Turn Hunters, autant que des Hunters normaux. Donc là, ça demande un peu un effort de psychologique pour se mettre dans la peau d'un Turn Hunter. Mais ça, c'est très intéressant parce que ces cartes de compulsion vont obliger un comportement au Turn Hunter. Donc autrement, ils vont mourir, ils vont prendre des blessures. La pénalité, c'est de prendre des blessures. Donc ils ne resteront pas en vie longtemps. Vous voyez, ici, la pénalité, elle est de 3. Donc voilà, donc c'est un mécanisme qui est intéressant, je dirais, qui prend toute sa saveur quand on joue à plusieurs joueurs. En solo, ça peut être sympa, mais là ça demande vraiment un effort de mise en place. Alors juste pour vous montrer un deuxième chasseur, je vais utiliser Dallas. Dallas, donc qui elle, eh bien, elle peut. Une fois par tour, elle peut avoir un point de mouvement supplémentaire lors d'une action de mouvement. Et ensuite, donc, elle a un pistolet, elle a un quad shotgun, elle a donc en tiré en équipement un bazooka. Alors les bazookas, donc, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des armes qui font du bruit. Donc ça peut réveiller les vampires qui sont endormis. Et cette icône veut dire qu'on peut casser éventuellement une fenêtre qui est barricadée dans une pièce. Le fait d'ouvrir une fenêtre va faire entrer la lumière de jour que quand on est dans la partie jour et tuer instantanément tous les vampires. Donc voilà, donc attaque d'explosion, 6D6+, bon voilà. Et donc elle, comme capacité, elle a pioché Strike Bike, donc elle paye 3 points de focus. Et après, quand un vampire vous a attaqué, vous pouvez l'attaquer gratuitement. Comment on gagne des points de focus? Et globalement en tuant des vampires. Donc des vampires, il y en a tout un paquet. Donc il y a des warriors, il y a des bureaux, il y a des grandes chauves-souris. Voilà, donc il y a tout un tas de vampires, mais j'y reviendrai. Tout un tas de types de vampires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va. Ouais, je disais donc que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la nuit va tomber, eh bien, les vampires vont se réveiller, etc. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais surtout, on va retourner la carte vampire et bon, on va devoir faire face à des vampires plus puissants. Donc, vous voyez que notamment là, il n'a pas de capacité particulière, mais là, il récupère une capacité qui est par exemple Strength in Numbers. Donc, si le Warrior cause un dégât et qu'il y a un autre warrior dans la même zone, il peut relancer un dé qui est un dé raté, quoi. Voilà. Donc comment on gagne des points de focus, je le disais, en tuant des vampires. Donc c'est dès qu'on tue, on gagne un point de focus. On rencontrera également des vampires potentiellement plus puissants, qui sont les elders. Donc les elders, c'est des mini-boss, si vous voulez. Donc ils auront des cartes un peu différentes. Donc eux, eh bien, ils auront une capacité d'entrée
Et surtout, avant de les attaquer, il faudra piocher une carte d'Elder Influence. Voilà, donc il y a différents monstres. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. De toute façon, on va sûrement être confronté à un Elder dans cette partie. Donc voilà, un paquet particulier que je remélange, je piocherai le moment venu un Elder sûrement. Et les cartes Elder Influence, donc on a un deck. Donc à chaque fois qu'on va attaquer un Elder, avant de l'attaquer, on pioche une carte. Et en général, on aura un test à faire. Donc vraiment plein de tests de x4+. Donc le Elder's Glare Fills You with Unexpected Terror. Donc si on réussit, voilà, il n'y a pas d'effet. Et si on rate, par contre, Terror makes you falter. Et donc on lance un seul dé pour l'attaque. Voilà. Donc il y a tout un tas. Toutes les cartes sont différentes. Donc on a des effets très très variés. Des choses surprenantes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mécanisme. Voilà. Alors ensuite, je vais vous faire. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Hein. J'ai pas envie de faire trop de blabla. J'ai envie de le faire au fur et à mesure, le blabla. Ah oui, alors, petit détail, j'utilise les portes de Zombicide, les portes 3D de Zombicide Black Plague, pour représenter les portes. C'est des éléments de décor que j'avais gardés et qui sont bien utiles ici pour représenter les portes. Donc, comme je vous le disais, donc, j'ai spité mes héros. Ici, ah oui, je ne vous ai pas montré les deux autres héros. Donc j'ai Joshua, voilà, une fois par tour, lui, il peut, il n'est pas impacté par, il n'est pas NPED par les vampires. Et ensuite j'ai Bram, donc lui, une fois par tour, il peut faire une mêlée d'attaque qui gagne une touche. Voilà, je vous montrerai leurs armes le moment venu. Donc ils ont des armes, des capacités. Qu'est-ce qu'on a comme équipement intéressant? Par exemple, Joshua, il a de l'adrénaline. Donc pour un point d'action, eh bien, il va gagner 4 points d'action. Donc ça a défaussé toujours. En général, les équipements ne servent qu'une seule fois. Ensuite, Bram, lui, il a un Sonic Mask. Donc on peut défausser cette carte et les vampires vous ignore lors de leur activation, pas de l'activation. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Bram, il a un trident également, donc il va permettre de faire de lancer 4 dés, il touche sur 3+, de 1 à 2, donc c'est pas mal. En général, ce sont des armes qui sont plus puissantes que les armes de base, mais qu'il faut défausser. Qu'est-ce que j'ai pas dit non plus? Au cours du jeu, on va pouvoir fouiller également. Dans le refuge, donc on a un paquet de cartes d'items, voilà, avec des choses très différentes. Alors, il y a des boucliers, il y a tout un tas de choses. Alors, par contre, la pire particularité, la particularité des objets que l'on a dans ce deck, c'est que quand on va piocher un item, en fait, il va arriver sous cette forme. Donc la carte est décomposée en deux parties. En gros, pour récupérer des items, alors en général, ce sont des objets qu'il faut assembler. Pour les assembler, il faut payer un coup de focus. Donc là, vous voyez, pour 3 points de focus, on va pouvoir assembler la fourche et puis une batterie, etc. Et donc, on va ensuite avoir une electric fork. Donc, qui fait 4 dés à 4+, de 0 à 1, et on a cette icône-là. Ça veut dire que quand on fera l'attaque, on lancera un dé rouge. Et si on tombe sur l'icône qui représente un objet qui se casse, eh bien on défaussera l'objet. Voilà, si on tombe sur une case comme ça, on pourra continuer à utiliser cet objet. Donc, beaucoup de variétés dans les objets. Bon, il y a des medkits. Comme je vous le disais, des boucliers, des old flashlight, donc, qui permet quand on cherche de piocher deux cartes, une carte, une, donc voilà, beaucoup de choses. Voilà.
Bon, il y a beaucoup de cartes dont je ne vous ai pas parlé. Il y a des événements de terreur, parce que vous verrez au moment, quand on va explorer le refuge, il y a des événements qui pourront se déclencher. Donc voilà. Donc, quand on activera les vampires, il y aura deux decks. Il y a des decks d'activation de jour, avec des choses, etc. Mais j'y reviendrai après. Quand on sera de nuit, alors en général, ce qui est important, c'est que de jour, on active d'abord les héros et ensuite on tire une carte d'activation de vampire. De nuit, ce sera l'inverse. Quand un tour, chasseur va commencer, on va d'abord piocher une carte d'activation cette fois-ci. Pardon. C'est pas ce paquet. Une carte d'activation de nuit. Et ensuite, le héros jouera. Voilà. Et ensuite, on a des cartes rencontres. Donc là, vous allez voir, c'est quand on explore des pièces du refuge. Voilà, avec des choses. Voilà. Chose, évidemment, je ne vous ai pas montré les figurines. Donc H. Bon, les figurines, moi je trouve qu'elles... Oula. Qu'elles sont bien. C'est quand même assez détaillé, on est très largement dans du niveau de zombicide. Pour les héros, on est vraiment au niveau zombicide, pour les monstres, peut-être un petit peu en dessous, mais bon, ça se fait pas grand mal. Voilà, Dallas, avec ses gros flingues. Voilà, donc, vraiment sympa. Joshua, il est là. Donc lui, il a un pistolet lance-flammes. Une figure très sympa, pas de problème. Et Bram. Alors, je ne vais pas montrer encore les vampires. Je vais montrer au fur et à mesure qu'ils se découvrent. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Je vais maintenant bien vous faire quelques tours de jeu donc sur une partie sur une chasse de l'extension From Blood to Dust. Donc, voilà, ça c'est le Vampire Lord. Donc Lord Kofaz. Voilà, quelques figurines, un Elder encore. Donc les figurines sont assez sympas. Qu'est-ce que je peux vous montrer des héros. Allez, les héros de la boîte de base. Enfin, quelques héros de la boîte de base. Voilà, donc je vous dis à bientôt donc pour la suite de nos aventures sur Vampire Hunters.